Redinas garde vos données à l'abri des menaces physiques ou virtuelles grâce à ses 5 niveaux de protection. Le RAID automatique sécurise vos données d'une défaillance disque en répliquant vos fichiers sur plusieurs disques durs. Le RAID est préconfiguré, mais il est nécessaire d'avoir plusieurs disques pour bénéficier de cette protection. La technologie des snapshots illimités ou instantanés permet une restauration rapide et simple des fichiers depuis n'importe quel point dans le temps. Sélectionnez simplement le dossier dans ReadyCloud et cliquez sur « Récupérer les fichiers ». Sélectionnez la version à restaurer en cliquant sur l'un des choix proposés. Une fois sélectionné, le document sera automatiquement récupéré et conservé dans son dossier original. Redinas inclut également une protection antivirus en temps réel pour vous permettre de protéger vos données sans coût additionnel. L'antivirus peut être facilement activé depuis l'onglet « Paramètres » sur la page d'administration Redinas. La protection BitRot protège votre NAS contre les détériorations de performance et la perte d'intégrité en rendant vos données plus durables et moins sujettes à la corruption. La protection BitRot peut être facilement appliquée au dossier de votre choix. Dans l'onglet Partage, sur la page d'administration Redinas, sélectionnez le dossier et cliquez sur Paramètres afin d'activer cette fonctionnalité. La sauvegarde distante et la sauvegarde dans le cloud vous apportent une protection avancée contre la perte de données. Pour mettre en place une sauvegarde distante vers un autre Redinas, activez simplement Redinas Replicate depuis l'onglet Cloud. Pour activer Redinas Vault ou Dropbox, allez sur l'onglet Sauvegarde et cliquez sur Stockage sur le Cloud. Maintenant, vous pouvez configurer une sauvegarde automatique dans le Cloud avec votre fournisseur de services Cloud. Les 5 niveaux de protection sont maintenant configurés et prêts à garder vos données en sécurité. Pour plus d'informations sur Redinas, visitez www.netgear.fr/redinas ou visitez le forum Redinas et posez vos questions.